Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Greyraven. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 10e épisode d'Avis d'un joueur et Revue de Box. Alors avant de commencer, il va y avoir un peu de changement dans l'émission. On va tout simplement scinder les deux parties en deux épisodes. Pour nous ça ne change rien, on recorde tout le même jour. Mais pour vous, ça sera espacé en deux jours. Donc le premier épisode qui sera à chaque fois publié sera l'Avis d'un joueur. Et le jour d'après, vous aurez la Revue de Box. J'ai décidé de faire comme ça au vu des retours que j'ai eus, que les gens trouvaient tout simplement trop long à regarder, bien qu'ils pouvaient y regarder en plusieurs fois. Mais c'est pas grave, c'est pas trop le truc de YouTube de regarder plusieurs fois la même vidéo, donc on va faire comme ça. On va rester sur cette modification jusqu'au prochain changement, s'il y en a. Pour ce 10e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lobsonic. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Salut à tous, eh ben, ça va bien, nickel et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, c'est un grand plaisir de pouvoir t'accueillir enfin, parce que pour ceux qui suivent un petit peu, que ce soit sur les lives ou sur le Discord, ça fait un moment que j'essaye de faire passer Lobsonic tout simplement sur cette émission. On est enfin ensemble, on va y arriver, donc c'est parfait, on va pouvoir commencer l'avis d'un joueur. J'ai pas mal de petites questions en fonction de ce que tu m'as renseigné à te poser. Donc, première question. Tu joues depuis le 22 juillet, très précis, hein, mais tu m'as mentionné que ton compte datait du 28 juillet. Alors, moi, je sais ce qui, du coup, parce que tu l'as expliqué, pourquoi, mais du coup, cette aventure qui a duré un petit moment, elle est due à quoi? Explique-nous. Alors, en fait, du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé le jeu le 22 juillet. C'était suite, du coup, à la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle NoCapt, je pense que tu dois connaître. Oui. Qui avait présenté le jeu et tout, et du coup, bah, ça m'avait intéressé, surtout que j'avais arrêté quelques gachas entre-temps, donc bah, j'en cherchais quelques nouveaux, enfin un nouveau surtout. Du coup, j'ai fait un compte, j'ai avancé au fur et à mesure, voilà, j'ai progressé, et au moment de comment d'arriver à la pitié qui était dans le portail basique, je suis tombé sur Nanami S, qui n'était pas vraiment le perso que je voulais, et surtout que même mon compte en général n'était pas très ouf. Donc bah, j'ai préféré reroll, sauf que du coup en faisant un reroll, bah, du coup j'ai perdu, enfin c'est pas que j'ai perdu mes données, mais du coup j'ai perdu toute ma progression. Bah oui. J'ai fait plusieurs rerolls et donc du coup bah, maintenant je suis sur un compte qui, on va dire que j'ai eu un peu de chance, j'expliquerai après. Et donc voilà, donc le 28 juillet, c'est la date de mon reroll, donc j'ai perdu à peu près une semaine et demie de jeu. Donc un long reroll pour obtenir ce que tu voulais sur la bannière permanente, plus C'est ça. exactement. On le Enfin, verra c'est en... pas. Ouais, vas-y, continue, t'inquiète Voilà. pas. Bah, du coup, c'est. J'expliquerai après, mais c'est même pas par rapport à la bannière permanente que j'ai eu de la chance, mais j'expliquerai. Ok, bon, on en saura plus du coup sur ta revue de box, mais du coup, ok, un long reroll, bah, juste comme ça pour en venir, même si on le verra dans la revue de box, sur ton ticket, tu as choisi de partir sur qui, histoire de savoir un petit peu comme ça. Alors, mon ticket, je l'ai fait que récemment. Il n'y a même pas une semaine et demie, et donc du coup j'ai pris Liv S. Liv S, d'accord, ah ouais, le ticket il a tardé. Ok, bah écoute, Ah on en verra un peu plus sur la revue de box. C'est très très bien, en tout cas intéressant. J'ai pas eu beaucoup de retours sur des personnes qui avaient autant reroll. Quand même, une semaine de reroll, c'est pas mal. Faut tenir quand même. ouais, Un bah peu, hein. c'est clair, mais après, bon, au moins, vu que je savais que j'étais parti sur un bon compte et qu'il était nickel, ça allait, mais. C'est vrai que le reroll sur PGR, c'est C'est long, vraiment parce qu'il y a de plus simple. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah écoute, très bien, très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous aussi vous avez mis longtemps ou pas du tout, ou si vous avez même pas reroll pour le coup. Deuxième question, tu es joueur téléphone, tu m'as même précisé le modèle, donc ça c'est super intéressant, en vrai c'est très très cool pour les personnes qui cherchent peut-être à s'investir sur un téléphone ou savoir, je sais pas s'il est bien, hein. Donc tu m'as dit le Poco F2 Pro. J'aimerais savoir ton ressenti, ton expérience en tant que joueur mobile sur PGR. Bah, du coup, j'ai de la chance parce que bon, j'ai acheté mon téléphone il n'y a pas très longtemps et il est assez performant. Et pour faire tourner PGR, j'ai vraiment pas trop de soucis. Bon, de temps en temps, évidemment, il y a quelques petits lags, mais vraiment, c'est plus de l'ordre du très occasionnel que du fréquent. Et autrement, non, le jeu fonctionne nickel. Moi, j'ai pas de problème. Que ce soit niveau graphisme et tout, j'ai pas de soucis, puis ça me dérange pas de jouer à PGR sur téléphone, donc
C'est cool, quoi. Ok, très bien. Tu parlais précédemment que tu avais joué à d'autres gachas et que tu avais stoppé. Tu jouais aussi sur téléphone? Alors, la plupart des gachas, j'ai tout le temps joué sur téléphone. J'ai joué à... Alors, le premier que j'ai joué, c'était Dokken Battle, D'accord. que je joue encore aujourd'hui. Donc, bah, lui, sur téléphone, c'est un peu plus pratique, même si ça peut jouer sur d'autres supports. J'ai joué à DB Legends, que j'ai arrêté, qui, lui, n'est pas fait pour être, je trouve, joué sur PC ou quoi que ce soit. Et autrement, c'était Epic Seven et Genshin Impact. D'accord. Epic Seven, j'avais fait via émulateur pour parce que avant mon ancien téléphone n'était pas très performant, donc c'était plus pratique de jouer sur PC. Et Genshin Impact, j'y ai joué sur téléphone, mais je trouve vraiment que c'est pas ouf de jouer sur téléphone du tout. C'est C'est compliqué. infernal Ok. presque. Ouais. En tout cas, belle expérience de gacha directement, hein. T'as tapé du très bon gacha au moins bon. Je citerai pas, mais je pense que DB Legend n'est peut-être pas maintenant devenu ce qu'il aurait dû devenir. Mais en tout cas, Ouais. t'as tapé pas mal de gacha. C'est bien en tant qu'expérience. T'as même essayé du coup du gacha sur PC. Tu préfères du coup l'expérience mobile en tant que joueur téléphone, enfin même gacha player, on pourrait dire ça. Bah, c'est que la plupart du temps, hormis Genshin, c'était enfin, c'était des jeux qui étaient vraiment adaptés pour mobile. Donc, forcément, par la même occasion, c'est plus simple de jouer sur téléphone. Et puis, au moins, ça se prend partout. Il n'y a pas besoin de se transporter à un PC, donc c'est plus simple, quoi. Très bien, simplicité, et puis en plus t'as la performance, mais voilà. Après, ça demande quand même avoir un bon téléphone, mais vous avez le retour de C'est ça. l'Opsonic, vous pouvez regarder un petit peu les prix, donc je le redis, le Poco F2 Pro, c'est bien hein, que tu l'aies souligné, ça permet de savoir justement sur quel support tu joues. Très très bien, ok. Next question, pas forcément joueur tryhard, pas forcément joueur chill. J'ai pas mal de personnes à chaque fois que j'interview, je leur pose cette question et ils me répondent, bah soit ils sont tryhard, soit ils sont joueur chill. Et toi tu me dis, pas forcément tryhard, pas forcément chill. Donc c'est ni l'un ni l'autre, mais du coup t'es forcément quelque chose. Explique-nous un petit peu justement ce raisonnement, ce choix que tu as choisi. Bah, je suis pas chill dans le sens où je joue quand même tous les jours. J'essaie de faire tout ce qui est mission quotidienne, dépenser ma stamina. J'essaie de faire quand même des bons scores en Pain Cage et en Warzone. Mais je suis pas non plus joueur tryhard. Comme j'avais entendu certains joueurs qui, des fois, jouaient 2-3 heures pour avoir un bon score en Pain Cage et en Warzone, c'est pas non plus mon genre. Je vais essayer d'avoir un bon score, au moins par rapport au. Comment? À tout ce qui est qualification pour rester dans le rang où je suis, mais je vais pas chercher à aller plus loin en fait. Ok. J'essaie quand même de faire un bon score, des fois de m'entraîner, mais ça va pas. Je vais pas y passer non plus des heures et des heures. Tu es à la limite entre le chill et le tryhard, tu fais quand même pas mal de choses sur le jeu, tu l'as dit, tu joues tous les C'est jours. ça. Mais c'est vrai que oui, moi je le vois déjà directement, je me qualifierais plus de joueur tryhard parce que même en live, je vais passer pratiquement des fois peut-être même 1 heure à 1 heure et demie sur une Warzone pour essayer de faire un top score. T'es pas ce genre de personne. Tu vas essayer de faire un bon score pour rester dans le truc, mais Voilà, c'est ça. pas forcément appuyer dessus. Ok, très bien, très bien. Bah ça en vient un petit peu à la question, on va l'avancer du coup. Tu précises que tu joues tous les jours, sauf si tu oublies. Si t'as précisé ça, ça veut dire peut-être que t'as oublié par moment, non, c'est arrivé peut-être. Ça m'arrive, ouais, d'oublier, par exemple, quand j'ai cours, etc., ou quand j'ai pas le temps de le faire le matin, du coup, et que j'oublie de jouer, mais c'est assez rare. Mais c'est surtout la Warzone où des fois, en fait, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, le lundi, je peux jouer. Le mardi, j'ai un peu moins le temps. Et donc, du coup, des fois, la journée du mardi saute pour la Warzone. Et donc, du coup, j'ai du mal à rattraper des fois. Mais la plupart du temps, j'y arrive. Donc, ça Ok. Bon après c'est pas grave. Hein, je vois déjà va. des personnes derrière qui me diraient non, il faut jouer tous les jours. Non, non, il n'y a aucun problème. Oui. Votre vie passe avant, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste pour savoir un petit peu comment tu t'organises. On peut louper des jours. Ça arrive, il n'y a aucun problème. Oui. Hein. Ce qui est vrai que c'est sympa, c'est qu'il faut éviter de louper un peu la Warzone, mais la Pain Cage aussi, ce genre de mode qui ont des resets. C'est toujours un peu plus sympa de pouvoir les faire, quoi. Bah après, ce qui est cool, c'est que bah, la PNK, je l'ai récemment, vu que le week-end, on a 8 essais. Du coup, toute la semaine, si on peut pas, etc., on peut tout faire en week-end. Et pour la Warzone, pareil, je sais que celle du week-end, on peut aussi tout rattraper. Ouais, ils te Après, débloquent tout, j'espère qu'ils hein. vont peut-être en... Ouais, c'est ça, et j'espère qu'ils vont étendre ça aussi à la première, quoi.
Ça pourrait être en effet sympa, mais c'est bien qu'ils fassent des efforts aussi. Ils pensent justement aux personnes qui ne peuvent pas, forcément jouer toute la semaine. C'est très cool, c'est bien d'avoir fait un retour là-dessus. C'est très très bien. Maintenant, on va venir à un petit, petit point un peu plus sérieux. T'es pas un joueur free-to-play sur le jeu, ok? C'est ce que tu m'as dit. Alors, justement. Ouais, alors, je vais en venir un petit peu. Tu as un petit peu investi. Tu m'as dit que tu allais préciser un petit peu. Mais avant que tu précises et que tu en parles, d'ailleurs, tu vas pouvoir y venir en même temps que cette question. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du système économique du jeu maintenant que tu as été confronté au shop, quoi. Tu as été confronté à l'achat. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, après, j'ai été confronté à l'achat, mais on va dire que je reste encore du côté free-to-play de la force. Donc, j'expliquerai peut-être un peu après. Ah Mais oui. autrement, je trouve que le jeu, il pousse pas à l'achat. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué dans d'autres gachas, notamment, comme tu avais cité DB Legends. Et aussi, c'est que le jeu, il te garantit des personnages. C'est le seul jeu que je connais gacha, ou même mobile, qui te garantit tous les persos. Et ça, je trouve ça juste génial, parce que quand il y a des jeux comme Dokkan, comme DB Legends et tout, où on a beau invoquer, on ne tombe pas sur le perso, c'est juste horrible. Donc là, au moins, le jeu te le garantit, t'es tranquille. Ouais, satisfaction d'obtenir le personnage. Alors toi, tu trouves ça génial. C'est vrai que ça permet de revenir un petit peu sur les retours qu'il y a eu. D'autres personnes trouvent ça un peu lassant d'attendre alors normalement avant c'était 3 mois, mais maintenant c'est un peu plus aux alentours des 2 mois entre chaque bannière. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors c'est vrai que tu as déjà un petit peu avancé en disant bah toi c'est génial, tu aimes justement avoir cette satisfaction, cette garantie d'obtenir le personnage, mais qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire ou penser pour faire changer un petit peu d'avis à ces gens qui n'aiment pas forcément ce système? Bah déjà, c'est que pour avoir expérimenté ça dans d'autres gachas, c'est que quand le rythme est beaucoup trop effréné, ça devient juste infernal, et même des fois pour les cash players, donc ceux qui payent dans le jeu. Et je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, parce qu'au contraire, on a le temps de s'habituer, on a le temps aussi, pour les free-to-play par exemple, de build des persos, parce que si on enchaînait tout le temps des persos, des persos, des persos, on n'aurait pas le temps de build ceux qu'on a déjà. Et déjà que moi, personnellement, j'ai du mal à build tous ceux que je veux. Si en plus ils faisaient que d'en rajouter plein et des forts avec, je sais pas, Lucia Plume, Luna, enfin qu'ils enchaîneraient tous les persos, ce serait infernal. Donc je trouve pas ça mauvais. Ça permet en plus de. Ça permet aussi, comment dire, de. Ça, c'est un problème qui est aussi que je trouve personnellement qu'il y a dans certains jeux mobiles et dans certains jeux gacha, c'est qu'ils te demandent beaucoup trop d'investissement. Ou des fois, tu es obligé d'y jouer toute une journée, ou enfin toute une journée tout le temps, tout le temps. Où tu es obligé de farmer en boucle, et PGR justement ne te demande pas ça, et c'est plus pratique et c'est mieux. Donc le fait qu'il n'y ait pas tout le temps des persos, c'est je trouve une bonne chose, et il faut que ça continue comme ça. Ouais, c'est très très bien. C'est bien que tu en parles. C'est rapide de farmer sur PGR. C'est rapide d'obtenir ce que l'on veut directement en termes de ressources Oui. PGR par le biais des events pour farmer les memories ou même les ressources. C'est très rapide. Donc, on n'a pas ce problème. Voilà, comme tu le dis sur d'autres gachas. Je prends l'exemple par exemple de Genshin où tu peux passer des mois entiers à essayer de farmer ton stuff pour avoir les bonnes stats, les bonnes substats, et en fin de compte, de ne pas avoir un set ultra réglo, alors que là, sur PGR, c'est assez rapide. Ouais, c'est vrai que c'est très bien, c'est très très bien ce que tu dis là-dessus. Justement, sur ces events, sur comment dire, le rythme des events, ou même la qualité des events, qu'est-ce que tu penses de ce que propose Kurogame indirectement dessus? Bah, du coup, par rapport aux events, bah, déjà, je trouve qu'ils sont tous bien. Donc, bah, là, on en a Nona Ouroboros. Et moi, personnellement, je les trouve tous cool avec ce qu'on a eu récemment. Même s'il y a certaines parties d'event qui sont un peu en dessous, je trouve. Avec par exemple Above God, je crois que ça s'appelle comme ça sur Nona Ouais, c'est Ouroboros. ça, Abode of God, ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est ça, où ça revient, où c'était revenu déjà sur les deux anciens événements. Où c'est juste un enchaînement bah, du boss principal de la partie, on va dire. Ça me permet de revenir dessus aussi. C'est vrai que le mode est. Alors, il y a des personnes qui galèrent. Hein. Il y a des personnes qui galèrent de ouf sur le dernier boss, hein, faut savoir quand même. Mais c'est un mode pour toi qui est. Peut-être pas forcément obligé d'être là, ou qu'il faudrait peut-être qu'ils augmentent plus la difficulté, ou
Comment tu le verrais, un petit peu ce genre de sur mode, un peu ce retour de boss, hein. Je sais pas comment on peut définir ça. Personnellement, je trouve que la difficulté pour l'instant ça va, surtout qu'il faut aussi penser qu'à chaque fois il y a des nouveaux joueurs qui viennent, donc je pense que la difficulté elle est pas trop mal, mais juste, comment dire, entretenir l'événement, pas que ça se fasse qu'en une fois et qu'ils refassent, je sais pas, des objectifs ou utiliser des teams spécifiques, ça peut être intéressant. Par exemple, un truc qui était bien, je trouve, que sur le mode à puce, alors sur le mode à puce qu'il y avait sur cet événement, mais je sais plus exactement comment il s'appelle. C'était de pouvoir utiliser des persos qu'on n'avait pas. Et ça, par exemple, serait intéressant de dire, voilà, vous devez partir avec cette team spécifique et vous devez faire le boss. Comme ça permettrait aux nouveaux joueurs de tester des persos et de ne pas forcément utiliser leurs persos qui sont peut-être bas niveau. Et aux joueurs plus avancés de tester d'autres persos, d'autres tactiques, etc. et tout. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cet avis. C'est vrai que ça peut être cool parce que on va pas se mentir, on a Abode of Gods qui sort. On fait le boss une fois de chaque mission et après c'est fini, on n'y retourne plus. Parce que C'est ça. bien qu'il te propose de vous pouvez obtenir des petites mémories dedans, on va pas se mentir, ça sert à rien d'y retourner pour aller les farmer, Oui. clairement. Donc c'est vrai que tu n'y retouches pas. C'est vrai que de rajouter des objectifs, ça pourrait être très très cool parce que le mode reste quand même un bon moment pour le coup. Oh bah oui. Mais dès que tu l'as fait Day One, ben tu n'as plus rien à faire dedans. Donc à part, bien évidemment, parce qu'il me semble que le dernier, ben, du coup le boss, mais sera un prochain boss qui sera ajouté à la Pain Cage, il me semble. Ça peut être sympa indirectement de le faire pour t'entraîner, mais c'est vrai que ça coûte de la stam, donc c'est toujours un peu Ah oui, ça compliqué. va. Mais voilà, c'est vrai qu'il pourrait rajouter des objectifs et comme tu le dis, adapter cette mécanique du. Le nom du APUS de maintenant, c'est Path of the Star ou quelque chose comme ça. Mais de rajouter, ouais, justement, de proposer des personnages en disant, ouais, voilà, on vous propose cette team, vous partez avec et démerdez-vous. Franchement, très 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 bonne idée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que là, franchement, j'avoue, là, tu devrais proposer cette idée. C'est très très cool. C'est très très Je vais bien. être embauché. Ok. Donc du coup, tu nous as parlé des mods. On va dire que, donc pas des mods, mais des events, donc qui sont très très bien. C'est vrai qu'ils sont très très cool. L'ADA Nonorogoros est excellente, je trouve. Ils sont Pareil. toujours, ils sont toujours. Alors ça va être un petit peu la même pour Kaolong Metropolis. C'est un petit peu la suite qui arrive à la prochaine mise à jour avec Lucia Plume. Donc c'est très très bien. Bah cool, en cool d'avoir ce ressenti sur les différents events. Maintenant, on va parler un petit peu d'autres modes. Donc du Path of Stars, donc hashtag APUS, hein, on va l'appeler comme ça, et le Border Pact. Est-ce que du coup tu as participé à tous ces modes-là? Alors, le Path of Stars, je l'ai fait, et donc du coup, bah, je trouve qu'il était cool. Et surtout, bah, j'avais vu sur la MT Live que tu utilisais beaucoup les supports memory, et chose que je ne faisais quasiment jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'y mettre un peu sur la fin pour essayer de tester des personnages pour voir comment ça faisait et tout. Et autrement, je le trouve cool. Après, peut-être juste que, comment dire, on devrait peut-être avoir plus d'attempts par jour, parce qu'il y a des fois où, j'avoue, quand j'avais pas le temps et tout, ça prenait énormément de temps, je trouve. Enfin, énormément de temps, ça prenait pas mal de temps. Mais hormis ça, non, c'est cool en vrai. Ouais, c'est vrai que là c'était à 8. Alors faut savoir que le premier, je crois que c'était 4 C'est attempts. ça. Là on était passé à 8. Alors fallait savoir quand même que le premier, quand t'allais dans les respites, donc ce qui permettait de régénérer tes persos, tu gagnais une attempt en plus. Donc bon, ça te permettait d'avancer un peu plus vite. C'est vrai que sur le dernier, tu l'as bien dit, hein, c'est dommage parce que j'en avais parlé en vidéo et tout. Mais ouais, les supports, c'était quelque chose de très important à utiliser pour justement ne pas dépenser des attempts. C'est ça. Donc ça te permettait d'avancer beaucoup plus vite. Je comprends parfaitement, tu arrives, tu es en fin de journée, tu es crevé, tu as ta stam à balancer, mais tu as aussi le mode APUS à faire. Et bah, par moment, c'est pas toujours simple de répartir entre le farm dans l'event et bah, du coup dépenser la stam dans le mode APUS. Et ça peut paraître assez long. Même moi, tu vois, qui ai plus de temps pour le faire, je me suis retrouvé un dimanche, à tout un live un dimanche, J'ai à vu. finir tous les trucs du APUS. Donc, ouais, ça peut être assez long, je comprends parfaitement.
Et sinon, pour le Border Pact, parce que le Border Pact, quand il est sorti, on en a pas mal entendu parler. Maintenant, on entend un peu moins parler parce que soit tout le monde a un petit peu fini, ou alors on laissait de côté en attendant de monter leurs unités, parce que c'est un mode quand même qui amène un petit peu plus de difficultés, mais certains avantages aussi quand tu les as fait. Qu'est-ce que tu penses de ce mode-là? Alors, le truc, c'est que le Border Pact, c'est celui qui est dans les events, c'est ça? Alors non, le Border Pact, c'est Pas quand dans tu vas... l'événement, Ouais, alors mais... c'est un mode permanent en fait, que tu Voilà, c'est retrouves ça. après. Bah, le truc, c'est que justement, en fait, vu qu'en ce moment, j'ai eu des dossiers à rendre, etc., j'ai pas trop eu le temps d'y toucher, j'y ai même pas du tout touché. J'avais D'accord. juste regardé par rapport à tes vidéos, et bah, du coup, je comptais m'y mettre, etc., Ok, mais bah du pas de coup, je sais pas soucis. trop ce qu'il en est. Bah pas de soucis, bah écoute, t'auras la surprise. Ouais. J'espère que tu apprécieras cette belle surprise. Mais après, je trouve que ces modes-là, c'est vraiment cool, et surtout pour ajouter du contenu endgame, parce que bah, forcément, là, enfin, quand on est arrivé à un certain niveau, après, à un moment donné, on n'a plus beaucoup de modes, beaucoup de choses à faire. Donc, je trouve que c'est cool qu'ils en rajoutent, et j'espère qu'ils vont continuer encore pendant longtemps. J'avais aussi entendu qu'il y aurait le boss rush qui allait arriver, Ouais, donc... il y aura des modes qui arriveront par la suite, il y aura même le retour encore de Voilà. la Babel Tower, il y a des choses, il y a de la difficulté qui va être apportée. Justement, on va en venir à peu près à cette difficulté. J'aimerais juste parler de sauter un petit peu. Tu as parlé de la Warzone, de la Pain Cage, tu m'avais dit du coup Elite, voire Leader en Warzone, avancé C'est en ça. Pain Cage. C'est Comment ça. ça se passe ta progression sur ces deux modes-là? Alors, pour la Warzone, avant d'être au niveau 80, ça allait nickel. J'y arrivais sans trop de soucis. Maintenant que je suis au-delà du niveau 80, c'est quand même un peu plus compliqué. Surtout que ça m'arrive de plus en plus souvent de faire mon score. Et donc, du coup, je suis bien classé, etc. Et donc, du coup, j'arrive à la fin de la Warzone et je me fais déclasser parce qu'en fait, il y a eu d'autres joueurs qui sont allés au-dessus. Ouais. Donc, il faut essayer d'y revenir de temps en temps pour maintenir un score et tout. Mais autrement, j'aime bien, surtout depuis qu'il y a eu Bianca pour la Warzone électrique. Parce que j'avoue que quand elle n'était pas là, c'était un peu galère. C'est un peu comme avec Lucia Plume. Tant qu'elle n'est pas Ouais. encore là pour la Warzone Ice, c'est un peu galère. Ouais, ça c'est sûr. Mais autrement, non, ça va, j'aime bien. Et je progresse pas trop mal. Donc, Ok, ça très bien. passe. Très bien. Et pour la Pain Cage, c'est comment? C'est un peu pareil. Tu mets plus de temps peut-être sur la Pain Cage, je sais pas. Pour la Pain Cage, je sais que comparé à la Warzone, vu qu'on peut maintenant tout faire en fin de semaine, ou on peut tout faire d'un coup, je suis moins régulier, mais je fais quand même tous les niveaux. Du coup, par rapport à la Pain Cage, ce que je trouve un peu dommage, par exemple avec Alpha, c'est qu'il y a un bonus pour... Enfin, il y a un bonus par rapport à Rosetta, sauf qu'elle n'est Ouais. pas disponible. Ouais, Et ouais, ça... ouais, ouais. J'en Pareil parlais aussi. en live, et puis il y avait une autre personne aussi qui était passée avant toi qui en parlait pour la Pain Cage. Ouais, c'est un petit peu dommage d'avoir un bonus sur un perso qu'on n'a pas encore. Ouais. Même par rapport aux dégâts de type glace aussi, avec Lucia Plume qui est toujours pas là, donc on est en mode on voudrait bien faire des dégâts en plus, mais si on peut pas, Ouais. c'est pas ouf. Ouais. Bon, après, on arrive quand même à faire de Oui. belles petites choses. Oui, ça c'est clair. Très très bien. Alors, j'ai encore quelques questions à te poser. Concernant les dorms, toutes les personnes qui passent, bon, c'est on se connecte, on va dans les dorms, on récupère la star, mais basta. Toi, tu m'as dit que tu allais t'y intéresser, voire même tu es peut-être déjà, même maintenant, bien dedans. Explique-nous un petit peu cette histoire de dorms, hein. Bah, le truc, c'est que sur mon premier compte, donc celui que j'ai créé le 22 juillet, j'avais fait les dorms et ça allait, ça m'avait pas déplu. Après, c'est clairement quelque chose qu'on fait une fois par dorms et après on s'y attaque plus beaucoup. Mais en soi, ça m'avait pas vraiment déplu. Et le truc, c'est que depuis que j'ai recommencé mon autre compte, faut dire que j'ai un peu la flemme de m'y attaquer. Mais honnêtement, je pense quand même le faire. Surtout que bon, je trouve que c'est un peu mignon les chibis des persos et même les décors qu'ils proposent. Peut-être dommage qu'ils n'en proposent pas plus au départ, mais autrement, je trouve ça sympa, même si on n'est pas obligé de s'y attarder, c'est ça qui est cool aussi. Ok, donc un univers que t'aimes bien et t'as pas de problème à y participer. Ok. Voilà. Ok, très bien. Maintenant on va passer sur. Donc j'ai deux petites questions pour finir tout ça. C'est des questions concernant des retours que j'ai pu récupérer en semaine pendant mes lives. Et on va voir du coup un petit peu ce que tu en penses. Tu les as peut-être même entendus si tu étais là pendant les lives. Mais du coup, j'ai eu des retours dans la semaine concernant les récompenses de Warzone.
que c'était pas des récompenses folles, que c'était pas fou. Ça pourrait être mieux. Alors, à savoir que par la suite, il y aura une récompense bien mieux en Warzone. Donc, c'est un espèce de ticket sélectif de Memory Systar, ce qui permettra de choisir la résonance d'une memory. Mais actuellement, dans le jeu, qu'est-ce que tu penses justement de ce commentaire concernant les récompenses, qu'elles soient pas folles? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, la Warzone vous propose, plus vous allez jouer, plus vous allez rester en rang ou monter en rang, vous allez gagner des points, et avec ces points, vous allez pouvoir acheter des Memory Systar qui vous sont proposés dans le shop de la Warzone. Et donc, du coup, cette personne disait que les récompenses de Warzone n'étaient pas folles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup? Bah, je pense déjà qu'en Warzone, ce qu'ils devraient faire tout de suite, en fait, ce serait proposer le même shop que ce qu'on a quand on veut acheter des Memory Six Stars, c'est-à-dire proposer toutes les memories. Parce que des fois, attendre qu'on en ait une spécifique qui arrive, c'est, je trouve, un peu embêtant. Après, en soi, je trouve que. Après, les récompenses, c'est pas si mal, parce que les memories, on en a toujours besoin. Mais c'est vrai que, ouais, il pourrait y avoir quelques récompenses en plus. Peut-être comment dire, des shards en plus de la pen cage, parce que j'ai bien vu avec ma alpha que j'ai monté, ça met quand même pas mal de temps à faire pour passer à un perso un peu plus haut, enfin en rang supérieur, mais autrement je trouve que ça va, même si je suis d'accord qu'il pourrait y avoir du mieux, quoi. D'accord. Ok. Ah bah très bien, ça permet d'avoir d'autres avis. Moi pour le coup, je suis un petit peu d'accord avec vous, bien que comme tu l'as dit, on a toujours besoin de memory. Donc c'est l'avantage justement qu'elle te propose d'avoir des memories, mais c'est vrai que tu as ce problème de... Bah t'as pas la memory que tu veux quand tu veux. Il faut que tu attendes C'est ça. un certain reset. C'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Ensuite... pareil, suivant des retours, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu, comment dire, alerté parce qu'on en entend de plus en plus parler. C'est concernant la présence de la communauté française sur le jeu. J'ai eu un retour comme quoi il n'y avait pas grand monde directement en France. Je pense que d'un côté, on s'en rend bien compte, il n'y a pas grand monde de termes de communauté française, et qu'il faudrait un petit peu de diversité au niveau des contents de créateurs français. Alors là, j'ai la petite larme qui coule, mais voilà, suivant surtout comment dire, le retour sur le manque de français, on pourrait dire ça. Alors il n'y a pas que les Français, on a les Suisses, on a ce genre de choses. Mais voilà, en termes de plus francophone, qu'est-ce que tu penses justement de ce retour sur cette impression de vide, pas forcément vide, mais qui est moins de monde comparé à ce qu'on pourrait trouver sur les NA par exemple? Bah, le problème, je trouve, c'est surtout que Publishing Gray Raven ne fait pas beaucoup de publicité. Ce qui fait que bah, il n'y a pas tellement de joueurs qui viennent et qui restent. Mais hormis ça, après, moi personnellement, je trouve que toi, tu fais de bonnes vidéos et tout, donc ça ne me dérange pas de te suivre, bien au contraire. Mais c'est vrai que ouais, ce serait quand même mieux s'il y avait plus de créateurs qui font des vidéos, de ce genre de choses-là, quoi. Je suis d'accord. C'est pas que une seule personne qui peut apporter de la diversité sur le jeu. J'essaye de quand même de toucher le maximum de choses, bien évidemment. Mais Mais tu le fais bien. on peut pas toujours tout faire. Mais ça c'est pas grave. C'est cool d'avoir ce genre de retour. Mais c'est vraiment surtout ouais en effet de la communication, de la publicité, comme tu dis. C'est C'est ça. vraiment quelque chose de la publicité qui manque sur le jeu parce que ils sont actifs sur Twitter, un peu moins sur Facebook, bien qu'ils publient un peu sur Facebook. Mais ils sont très actifs sur Twitter, mais ailleurs, on les voit pas en fait. Quand tu lances une vidéo sur YouTube, tu vas souvent avoir des publicités. Alors, bah, tout dépend après de si c'est des publicités ciblées, mais souvent c'est du Dragon Ball, c'est du Genshin, c'est des trucs, des C'est jeux, des ça. machins. Et t'as pas de PGR. Et je pense, ouais, pour le coup, qu'il faudrait qu'ils fassent plus de publicité, que ce soit des pubs sur Twitch, des OP ou même des publicités, du coup, sur YouTube. Du coup, en effet. Et est-ce que toi, du coup, suite un petit peu, parce que en même temps d'avoir ce retour qui manquait un peu de monde, il y avait un retour du fait que il n'y a pas grand monde indirectement dans le ladder, que ce soit en paincage ou en Warzone. Est-ce que toi, tu le ressens? Est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je trouve que ça va. Après, peut-être plus en avoir, ce serait pas mauvais non plus, mais je trouve personnellement que j'ai pas trop de soucis pour l'instant. Peut-être parce que je suis sur Android et donc vu que iPhone c'est peut-être un
comment dire, un parc de téléphones plus restreint, enfin de joueurs plus restreints, Je sais pas parce que peut-être de Samsung aussi, je crois mais... qu'ils ont fusionné Android et iOS, mais je suis pas sûr. Mais je crois qu'ils ont Ah, fusionné ok. les deux trucs. Alors à voir. Là c'est entre guillemets parce que je t'avoue que c'est pas quelque chose que je touche beaucoup. Mais il me Ouais. semble qu'ils ont fusionné, mais pas forcément du coup. Je sais pas trop. Mais ok, Ok. toi c'est pas trop un problème. Tu fais pas trop gaffe. Tu fais tes trucs et Bah après, le truc, c'est qu'il y a, comment dire, par rapport à la Warzone, etc., le souci, c'est que les... Comment? C'est que les... quand il y a une whale dans son... enfin, quand il y a des whales ou quand il y a des joueurs qui sont... qui payent dans le jeu et qui ont vraiment des gros persos dans son ladder, ça va être dur de les dépasser ou au moins d'arriver à leur niveau. C'est pour ça aussi que je tryhard pas forcément à fond, fond, fond la Warzone et la Pain Cage, parce que je sais qu'il y a certains joueurs que je ne pourrais pas rattraper. Quand je vois par exemple, c'était une fois dans mon ladder où il y avait quelqu'un qui avait Lucia triple S plus, je me suis dit, bon, j'ai beau bien aimer les challenges, etc. Je pense pas que je pourrais concurrencer. Mais autrement, ouais, peut-être plus de joueurs, mais ça vient directement aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de pubs sur le jeu. C'est ça. Et aussi, pour revenir à ce que tu disais avant, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne fassent pas de dopé avec, par exemple, des youtubeurs ou des streamers, parce que ça permettrait de faire de un, découvrir le jeu à des streamers, parce que honnêtement, je l'ai dit avant, mais je trouve que c'est l'un, si ce n'est le meilleur jeu gacha mobile, et en même temps, le faire découvrir à des gens. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage, parce que, comme tu as dit justement aussi, ils parlent beaucoup sur les réseaux, mais... Il n'y a pas tellement de publicité, il n'y a pas tellement de mise en avant et tout. Alors, je pense qu'il y aura du monde qui va venir avec les collaborations avec Nier, par exemple, mais ce ne serait pas de refus d'avoir plus de publicité. C'est vrai que attendre, comme tu le dis, une collab, parce que la collab arrivera un tout petit peu après les 1 an du jeu, c'est vrai C'est que ça. attendre l'anniversaire plus la collab qui est du monde qui arrive, c'est quand même un peu long. Certes, Oui. je pense que pour l'anniversaire d'un jeu, parce que c'est très souvent le cas sur les gachas, généralement, il y a du monde qui arrive pour les anniversaires des gachas, étant donné que c'est des périodes qui sont censées donner pas mal de cadeaux, de récompenses, ce genre de choses et des avantages. Donc c'est vrai qu'il y a. Voilà. Tu vises un jeu en particulier en disant censé ou... Non, 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 pas du tout. Non, mais la collab, pour le coup, ce genre d'événement peut faire venir du monde. Mais c'est vrai qu'attendre 1 an, voire un peu plus, 1 an et 2 mois ou 1 mois, je sais plus exactement, ça peut être long. non. Oui. Donc c'est vrai que indirectement, moi j'en ai parlé, j'ai pas eu de retour là-dessus parce que la personne avec qui je communique, bah, elle gère pas ça. Mais c'est pour ça qu'il y a les feedbacks, ce genre de choses, les questionnaires qu'il faut d'ailleurs bien penser à remplir, hein, penser à remplir le feedback. C'est très important de justement proposer qu'ils fassent plus de publicité sur le jeu. Ouais, c'est très très cool. Du coup, Ouais. merci en tout cas pour ce retour. On va conclure ce premier épisode. J'ai une dernière question un peu complète qui va en regrouper plusieurs. C'est un peu la question que tout le monde a, hein, t'inquiète pas, tu y passes. Oh, pas de Que soucis. ce soit personnage sorti ou non sorti, quel est le personnage que tu préfères le plus? Et team sorti ou pas sorti, quelle est la team que tu préféreras ou préfères le plus jouer? Alors le truc, c'est que je trouve que justement Punishing Grey Raven possède cet avantage que quasiment tous les persos, ou même je dirais tous les persos, me hype plus ou moins. Et je trouve tous les persos stylés. Les skins sont vraiment magnifiques. Celui de par exemple Kamui qui était splendide. Et donc j'attends tous les personnages. Donc c'est ça qui est plus ou moins cool. Et donc voilà, j'ai pas trop d'attentes en particulier. Peut-être Selena, qui je trouve, je l'admire vraiment beaucoup. Puis en plus, Alors ouais, avec la peu d'histoire qu'on a vue. Selena compositeur ou Selena construct? Les Alors, deux peut-être. compositeur, parce que pour l'instant, en fait, quand j'ai commencé PGR, j'avais regardé du coup une vidéo qui parlait de tous les persos qui allaient venir. Ouais. Et ça s'arrêtait à, je crois, la Vera S, qui arrivera après. Ouais. Donc par conséquent, tout ce qu'il y a après, je n'ai pas trop regardé et j'essaie de pas trop regarder. D'accord. Mais je dois t'avouer que oui, ne serait-ce que
Je trouve déjà le principe du perso de juste jouer un instrument de musique au plein milieu d'un champ de bataille, je sais pas, j'aime bien et Ah ouais. je trouve aussi stylé en C'est plus. spécial, c'est spécial. Bah écoute, c'est très très bien, ça change, parce que souvent les personnes ont des avis bien ciblés, toi c'est en général, et c'est cool, parce que ça montre du coup que tu apprécies ce que propose Kurogame en termes de DA, en termes de présentation sur les personnages. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le thème des skins, mais c'est souvent un domaine un petit peu compliqué quand on veut aborder des prix, mais alors du coup, sans parler des prix, toi les skins c'est une réussite sur le jeu du coup, ils font vraiment très fort. Bah parce que bah du coup moi pour juste en revenir par rapport à l'aspect payant du jeu aussi vite fait, c'est que ce que j'ai pas enfin ce que j'ai dit c'est que je suis quasiment free to play parce qu'en fait au début du jeu j'ai pris le pack à 1 euro sauf que c'était via le porte-monnaie que j'avais sur Google Play que j'avais eu via d'autres jeux. D'accord. Ce qui fait que techniquement, je ne les ai pas payés de ma poche. Donc, je ne sais pas si je peux être encore considéré comme free to play ou pas. Mais Mettre hormis un peu ça, d'argent, mettre un peu d'argent dans un jeu, même si c'est de l'argent, ce n'est plus du free c'est to un play. euro. Ouais, après, bah, ça dépend. On n'en débattra pas là, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin du free to play. Ça reste un euro. Bah déjà, c'était pour te remercier du coup que je puisse participer à cette vidéo. Bah, Et avec c'était plaisir. aussi pour dire que je trouve vraiment, et pour avoir touché à beaucoup de communautés, pour avoir vu beaucoup, enfin beaucoup, pas mal de jeux gacha et surtout pas mal de jeux différents gacha et mobile, je trouve que vraiment PGR, et j'ose le dire, est l'un, si ce n'est le meilleur des jeux mobiles, du moins pour moi, parce qu'il réunit vraiment tout ce que je trouve qui est bien dans un jeu mobile et dans un jeu gacha. On peut y jouer tous les jours sans trop se lasser. Il prend pas non plus tellement de temps. C'est-à-dire que voilà, il va pas falloir qu'on farme pendant des années pour avoir justement un équipement. Il y a toute cette garantie au niveau des personnages et même au niveau aussi des memories qui est, je trouve, génial parce que, comme tu l'as expliqué avant, des fois farmer pendant une journée sur juste un niveau pour au final ne même pas avoir l'équipement qu'on veut, c'est très très frustrant. Et ça, PGR, ils ont réussi à le gérer à merveille. Encore pour revenir sur les personnages, pareil, je trouve que c'est juste trop trop bien. Parce qu'au moins on est sûr de tout avoir et au moins on aura tous les A. Donc ça c'est pratique aussi, même si tu peux pas te permettre les S, au moins les A, tu pourras toujours les avoir. Et au-delà de ça, non, vraiment, c'est un immense coup de cœur pour ce jeu. Et j'espère qu'il va continuer pendant très très longtemps. Et voilà, quoi. Et vraiment, j'espère qu'ils vont faire plus de publicité aussi pour promouvoir le jeu et qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne. Et peut-être qu'au fur et à mesure, alors même si c'est peut-être un peu utopiste, mais que ça change un peu les gachas de manière générale, quoi, parce que quand je vois, comment dire, je vais reciter certains gachas, mais quand je vois Genshin Impact ou Epic Seven, où des fois on peut farmer une journée pour ne rien avoir, quand je vois de l'autre côté des Belégendes qui va beaucoup trop vite au niveau des portails, etc., et qui mettre complètement KO tous les joueurs qui soient free to play ou gacha, etc. Enfin, ou cash player. Enfin, je trouve vraiment que PGR réunit quasiment toutes les qualités qu'il faut. Et personnellement, moi, je vais continuer à y jouer pendant très très longtemps. Ça, il n'y a pas de souci. Bah écoute, très très bien, c'est une très très belle conclusion, c'est beau à entendre, j'ai la larme à l'œil. Non, c'est vrai, c'est très sympa, et en vrai c'est très très cool d'entendre ça, parce qu'on voit que quand même que tu as beaucoup de passion pour le jeu, et c'est très très cool. Indirectement, c'est sûr, hein, on t'offre tout ce qu'un joueur aime, ben t'es content, hein, c'est sûr, Ouais, bah oui. tu vas pas te plaindre. Donc bah, très très cool d'avoir entendu cette conclusion. Écoutez, c'était la vidéo Avis d'un joueur. J'étais en compagnie de Lobsonic. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, alors je ne sais pas si on va continuer du coup, mais on va Allô? continuer le record pour la review de sa box. Et nous, on vous retrouvera dans la deuxième partie qui sera demain. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Punishing Greyraven. Vous retrouverez en description mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. A plus et portez-vous bien.